Hello, this is Jeanette with My Self-Esteem Work. I'll start in French. Aujourd'hui, je parle. On va mettre le mot parle. Hein? Ça, c'est le signe pour parler. Aujourd'hui, je parle de l'estime de soi et l'observation de l'état d'esprit fixe. Il y en a qui disent c'est fermé, c'est blambule. On voit pas les choses comme les autres. Un peu différent, un petit peu trop différente. Okay. Les peurs, les ressentiments, l'état d'esprit fixe. Et ma façon, exemple, ma façon de voir les choses et aucune autre façon de voir les choses. Donc, un état d'esprit fermé. Fermé. Excusez-moi, fermé. Tout ou rien. Un état d'esprit fermé. Toujours ou jamais. C'est un état d'esprit fermé. La phrase d'évaluation de la vie, de moments dans la vie ou courant. D'après ma propre expérience, j'ai vécu ce que voir les choses juste d'une certaine manière, aucune autre, jusqu'à ce que j'ai réalisé un jour, quand j'ai commencé à maturer, que les autres peuvent avoir leur propre expérience et leur propre façon de voir les choses et peut-être prendre le temps de les écouter. C'est comprendre, c'est montrer la compréhension, le point de vue d'un autre ou des autres personnes. C'est être là pour les autres. Ça me diminue pas. Je n'ai pas à rester coincé dans l'histoire négative. Les mauvais choix sont faits par un état d'esprit fixe. Prends le temps de respirer. Inspire et laissez aller. Par le dedans et laissez aller. C'est ça. Ça, c'est fait du bien respirer pour moi. Ça, c'est ma façon de réguler mes esprits, mes pensées, mes sentiments, la façon de voir les choses. Et peut-être être ouverte, c'est pas une mauvaise chose. Ouverte à la façon d'écouter, de voir la manière que les autres vont voir les choses. J'ai encore, ça ne me démunit pas. La façon dont je vois et la façon de voir dont je vois les autres. La vraie guérison commence à l'intérieur. La vraie éducation commence à l'intérieur. La vraie enseignement commence à l'intérieur. La vraie perspective commence à l'intérieur. Puis quand on grandit, on est plus fixe. On dit, oui, une différente manière de voir les choses. C'est pas impossible. Et ça nous donne de la place pour guérir, pour nous éduquer, pour voir les choses de meilleure façon. On n'est pas stock dans l'énergie fixe. Ou dans l'énergie. Une façon de voir les choses. Faire de la place pour apprendre à grandir. On écoute, on grandit. C'est créer une énergie saine pour nous-mêmes dans un travail quotidien. D'autocompassion. Avez une bonne journée aujourd'hui. So, on parlait de qu'est-ce que c'est des façons fixées. J'ai juste une manière de penser, pas aucune autre. On peut grandir par ouvrir notre perspective, notre conscience. Est ouverte à écouter les façons. Donc, la manière que les autres veulent parler. Encore, c'était Ginette ici. À la prochaine.
Aujourd'hui, je parlais de l'estime de soi et l'observation de l'état d'esprit fixe. Ça veut dire fermé pour voir, pour peut-être prendre le temps d'être ouverte à des bonnes opportunités avec vertu, avec grâce, avec la paix, avec la compassion. Hein? Ça, c'est l'empathie. L'empathie pour nous, ça crée l'empathie pour les autres. Non, l'état d'esprit fixe, c'est non, y a pas, ça ne marche pas, ça, là. Tu sais, ça va de mal. So, restons dans l'esprit qui guérit, qu'on peut découvrir. C'est encore, je vais répéter. Aujourd'hui, je parle de l'estime de soi et de l'observation de l'état d'esprit fixe. Pour moi, l'état d'esprit fixe veut dire des affaires on peut se sentir stuck dans une façon de voir les choses qui n'est pas trop, qui n'est pas de santé, qui n'est pas d'éducation, qui n'est pas à propos d'avancer, qui n'est pas à propos de guérir. On se sent stuck. Dans le manque de pardon, peut-être, ou dans le manque de se comprendre, peut-être, ou dans le manque se juger trop difficile et trop durement. Ça, c'est rester stock dans l'esprit fixe. Les peurs, on reste stock dans les peurs, on reste stock dans le ressentiment, on reste stock dans l'esprit fixe. Et comme exemple, ma façon de voir les choses et aucune autre façon de voir les choses dans un état d'esprit fermé. C'est lui est wrong, puis moi je suis right. Ou elle est wrong, puis moi je suis right. Ça, c'est une manière fixe. Comme si on apprend beaucoup quand on apprend. Ah, prendre le temps de respirer, puis se sentir, laisser aller. Le jugement de nous-mêmes et le jugement des autres. Ça, c'est un esprit ouvert. Tout ou rien, c'est encore l'esprit fermé. Une manière, toute la façon ou rien. Il y a comme, dans l'esprit ouvert, on voit les choses balancées. Ah, j'ai ma façon, puis les autres, ils ont leur façon. Un état d'esprit fermé. Toujours ou jamais. Encore un état d'esprit ouvert. Ah, c'est possible. Un état d'esprit fermé. La phase de dévaluation de la vie. Comme on ne se sent pas aimé, on ne se sent pas entendre, écouté, on ne se sent pas validé. Il y en a qui sont stuck dans ça. L'esprit fermé ou fixé. Ça, c'est dans la phase d'évaluation de la vie, de leur vie, sa vie et la vie des autres. Ça peut être continué jusqu'à temps qu'on se recevoir et qu'on commence de réaliser on n'est pas seul au monde. D'après ma propre expérience, j'ai vécu ça, de voir les choses d'une certaine manière ou pas aucune manière d'autre. Jusqu'à ce que j'ai réalisé que les autres peuvent avoir leur propre expérience, perspective et prendre le temps de les écouter. Puis laisser exprimer leur manière et leur façon. C'est comprendre le point de vue d'une autre personne. C'est être là pour les autres. Puis cela ne me diminue pas. Cela ne m'abaisse pas. Cela ne me met pas dans un patron que je ne veux pas être dedans. Parce que, après le temps de respirer, on est responsable pour notre énergie, nos pensées, nos sentiments, nos paroles,
de relations avec nous-mêmes et les autres. Je n'ai pas resté coincé dans l'histoire négative du passé parce que j'avance. Les mauvais choix sont faits par un état d'esprit fixé. Fixe la façon dont que je vois et la façon de voir que je vois les choses. C'est-tu juste une manière ou je suis plus ouverte? Ça, c'est une question pour les individuels. La vraie guérison commence à l'intérieur. La vraie découverte, ça commence à l'intérieur. La vraie éducation, la vraie guérison, la vraie découverte, la vraie énergie commence à l'intérieur. Faire de la place pour apprendre à grandir, c'est créer une énergie saine pour nous-mêmes dans un travail quotidien d'autocompassion.